Farhat, votre limousine viendra vous chercher à midi précise, comme prévu. Merci beaucoup, mademoiselle Crumble. Oh, rien ne sera plus pareil ici après votre départ. Oh non, détrompez-vous, je ne suis qu'un étudiant parmi tant d'autres. Tout de même, depuis 3 siècles, les murs de King's College accueillent les jeunes gens issus des meilleures familles. Et qui va hériter de ma chambre? Encore un de ses fils à papa méprisant? Et nous attendons l'arrivée d'une jeune fille, un véritable prodige, d'origine modeste hélas, mais remarquablement douée à ce qu'il paraît. J'ai dit non, papa. Je n'irai pas à Oxford d'un point, c'est tout. Allons, Tilda, il faut penser à l'avenir, mon petit. Tu es trop intelligente pour travailler à la mine comme ton vieux père. Mais je veux rester ici avec toi. Si tu restes ici, tu n'auras jamais la chance de faire ce que tu aimes vraiment et d'étudier des choses intéressantes comme l'histoire des Mésopotamiens. Des Mésopotamiens, papa. Mais tu es la première de la famille à aller à l'université. Mais qui s'occupera de tes repas si je m'en vais? Et je peux me débrouiller tout seul comme un grand. Écoute, on va faire un marché. On s'appellera tous les jours, sans faute. Et on se racontera tout ce qu'on a vécu dans la journée. Ça marche? Ça marche. Un de ces jours, je vais oublier ma tête. C'est pour toi, de la part de ton vieux père et de tous les gars de la mine numéro 34. Ça alors? Un sac à dos koala, il est magnifique. Je t'adore, papa, tu es le meilleur. Excusez, Altesse. Dites donc, vous deux. C'est à nous que vous causez. Vous répandez de la boue sur nos magnifiques tapis. Oh, je suis navré, ma petite dame. Retournez donc dans la porcherie d'où vous venez. Non, mais... Et je vous prierai de ne pas piétiner les tapis. Mademoiselle Crumble, vous ne trouvez pas que vous allez un peu trop loin? Je sais comment m'adresser aux citoyens de dernière classe. Les ramoneurs doivent passer par l'entrée de service. Et là, faites bien attention, sinon c'est moi qui vais vous envoyer au tapis. À présent, espèce de mégère, dites-nous où se trouve le bureau du directeur et que ça saute. Prenez la porte, immédiatement. Dans ce cas, je sais ce qu'il me reste à faire. Déchirez la lettre, m'invitant cordialement à intégrer cette fosse à serpent. C'est la lettre destinée à Mademoiselle Swanson. En effet, à Tilda Swanson. Vous êtes Tilda Swanson? Elle-même, en chair et en os. Maintenant, vous permettez que je dise au revoir à mon père? Je vais faire préparer votre chambre. Altesse, votre avion vous attend. Quoi, tu voulais dire quelque chose? Non, pas du tout. Veuillez me suivre. Et n'oublie pas, je veux avoir de tes nouvelles tous les soirs, d'accord? Compte sur moi. Au revoir. J'ai l'air franchement ridicule, non? Comment pourrait-on avoir l'air ridicule lorsqu'on arbore l'uniforme de King's College? Même à vous, il donne fière allure. Si vous le dites, à quelle heure le dîner? À 7h pile. Oh, parfait, il me reste 2 heures. Où est la bibliothèque? La bibliothèque? Oui, vous savez, la pièce remplie de livres. Merci, j'avais compris. Veuillez donc me suivre.
Vous le savez aussi bien que moi, Snarkov. Personne n'est autorisé à pénétrer dans le désert interdit depuis des siècles. Pourriez-vous faire une toute petite exception pour votre fidèle serviteur, Majesté? Je refuse de violer une loi ancestrale pour quelques misérables barils de pétrole. Mais le secteur nord-ouest est une véritable mine d'or noir. Comment en êtes-vous aussi sûr? Oh, j'ai fait explorer la région. Juste une intuition, Majesté. Écoutez, ce désert est maudit. Il a causé suffisamment de malheurs par le passé. Oh, ce ne sont que de vieilles légendes, Majesté. Ça suffit. Je ne vous laisserai pas mettre en péril la vie de mon peuple. À votre guise, Majesté. Majesté! Qu'y a-t-il? Son Altesse le Prince Farad vient d'atterrir. Cela faisait si longtemps. Mon fils est enfin de retour. Je m'en félicite, Majesté. C'est un grand jour pour notre glorieux royaume et je vais de ce pas suivre vos ordres à la lettre. Quel bonheur de retrouver ma chambre, ma bonne vieille chambre et mes livres, mon télescope, mon grand lit douillet. Il m'a tellement manqué. Oh, mais je sais qui c'est. Personne ne fait des délicieux beignets aussi odorants. Ben, mon ami. Bienvenue chez vous, Altesse. Laisse-moi en goûter un. Enfin, te revoilà. Bonjour, Farad. C'est toi, Ombre, c'est alors. Mais où étais-tu passé? Ça fait 4 ans que je te cherche. Pourtant, je ne t'ai pas quitté d'une semaine. Peut-être, mais tu ne me parlais plus. Il faisait trop froid et humide là-bas, mais maintenant que nous sommes de retour, je peux à nouveau m'épanouir. Et ce beau temps m'a ouvert l'appétit. Hé, hey, rends-moi ces beignets. Ben, tu es un vrai cordon bleu. Reviens par ici. Hé non, tu ne peux pas m'attraper. Comme c'est dommage. Tu vas voir. Bon, ça suffit. Farad, vos parents sont vraiment impatients de vous revoir. Et hop. Je dois y aller, mais tu ne paies rien pour attendre. Oh, quelle joie de vous revoir, Altesse. Vous nous avez manqué à tous et à moi en premier. Ce n'est pas réciproque. Qu'à cela ne tienne, Altesse. Je reste votre humble et fidèle serviteur. Papa! Farad, mon fils. Notre bonne vieille poigne de fer. Tu es devenu un homme. Certes, mais que ça ne t'empêche pas de venir embrasser ta mère. Oh, maman! Oh, j'ai tant rêvé de nos promenades de jadis dans le désert avec papa. On en fera d'autres. Maintenant que tu as terminé tes études, tu n'es plus obligé d'aller nulle part. Pas question de te laisser seul ici à affronter ce scélérat de Snarkov. Oh, Abdul est un serpent qui siffle mais qui ne mord pas. Dans ce cas, pourquoi la firme Petroglobe a-t-elle encore érigé une de ces énormes tours de 120 étages? Dis-lui, il est en âge de comprendre. Contrôler la moitié de la production mondiale de pétrole ne lui suffit plus. Il veut aussi exploiter celui du désert interdit. Il n'a pas le droit de faire une chose pareille. Snarkov est un homme dénué de scrupules qui peut s'avérer très dangereux. C'est un imbécile qui se prend pour un génie. Si cela ne tenait qu'à moi, je l'aurais expulsé du royaume depuis longtemps, mais sa mère est née ici, ce qui lui confère la citoyenneté. Je ne peux rien faire. J'extrais le pétrole là où je l'ai décidé et rien ni personne ne peut m'en empêcher. Il me suffit de creuser de petits trous dans le sable pour que l'or noir jaillisse à flot. Et je creuse d'autres petits trous et encore plus de petits trous et toujours plus de petits trous. Tout est fin prêt, votre cruauté. Nous n'attendons plus que votre feu vert. Demain, dans moins de 12 heures, Sa Majesté verra ce qu'il en coûte de s'opposer au projet du grand Snarkov. Mais pour fêter cela, je creuserai le premier puits de mes propres mains. Autant de cruauté me réchauffe le cœur. Oh, j'étais en train d'admirer le scorpion. C'est ma constellation préférée. J'ai appris beaucoup de choses sur l'astronomie à Oxford. Mais lorsque j'évoquais le pouvoir magique des étoiles, tout le monde se moquait de moi. Beaucoup de gens ont du mal à accepter ce qui n'a pas d'explication logique. Dis-moi, c'est bien dans le désert interdit qu'apparaît Egokan? Tu t'en souviens encore? J'en rêve toutes les nuits. Parfois, j'ai l'impression de sentir sa présence juste derrière moi. Tu as toujours été très sensible à ce genre de choses. Raconte-moi encore cette histoire comme quand j'étais enfant. Non, je crois que tu as besoin de dormir. Allez, je t'en prie. D'accord. Allonge-toi et ferme les yeux. Il était une fois une jolie ville tranquille et verdoyante traversée par un fleuve aux eaux limpides. Les enfants et les animaux jouaient en paix au milieu des palmiers. Cette ville ne possédait ni remparts ni fortifications. Ses habitants y vivaient libres et heureux. Le secret de cette prospérité reposait sur les pouvoirs d'un cristal magique de la forme d'un scorpion, appelé le Shariman. Mais un jour, le soleil s'assombrit brusquement, annonçant l'arrivée imminente d'un redoutable démon.
est Gukan et cette ville m'appartient. Elle est à moi. Les habitants comprirent très vite que le mal était parmi eux. Et Gokan était venu avec l'intention de s'emparer du cristal magique. Mais à peine l'eut-il effleuré de ses griffes que le Shariman se brisa en 7 fragments qui s'envolèrent vers les cieux comme des météores étincelantes pour se disperser aux 4 coins du monde. Kuramana Shimshama Shipala Shinkinetik. La ville se retrouva privée des pouvoirs magiques du Shariman et toute trace de vie ne tarda pas à disparaître. La ville devint un théâtre de désolation et fut rapidement ensevelie sous les sables du désert interdit. Et depuis cette tragédie, personne ne s'aventura en ces lieux, car il est écrit que 7000 ans doivent s'écouler avant l'arrivée d'un prince désigné comme l'élu. Lui seul réunira les 7 fragments et, ce faisant, viendra à bout du mal. L'élu, un prince. Hein? Farhat? Faites de beaux rêves, petit prince. Debout, Farhat. Tu voulais faire un tour en avion, n'est-ce pas? Ah! Bien, c'est parti. Vas-y, maudit coucou, envole-toi vers ta triste destinée. Regarde, Farhat. Le désert est généreux en pétrole, mais il refuse de donner de l'eau. Lui seul est maître de ses offrandes. Papa, fais demi-tour, vite! Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien, mais fais demi-tour, je t'en prie. Je ne vois rien d'anormal. Papa, il faut atterrir. C'est impossible, on est en train de survoler le désert interdit. Je sais, mais nous devons à tout prix atterrir. Allons, je t'en prie, fais ce qu'il dit. Et maintenant, tu veux bien m'expliquer ce qui se passe? J'ai vu une sorte... Remontons à bord, maintenant. J'ai vu quelque chose. On ne devrait pas se trouver ici. 4, 3... 2, 1... Vous m'entendez? Maman, je t'en supplie, réponds-moi! Ça va. Enfin, je crois. C'est un miracle qu'on soit encore en vie. Abdul Snarkov, le misérable félon, j'aurais dû m'en douter. Mais comment ai-je pu être aussi naïf? Si Farhat n'avait pas été là... Oh, mon fils bien-aimé, tu es un don du ciel. Les yeux de son âme ont toujours su voir ce qui se cache sous la surface des choses. Nous devons retourner au palais immédiatement et empêcher ce scélérat de causer encore plus de tort. Oui, il suffit de suivre les dunes vers l'est. On en a pour quelques heures. Non. Attendez un instant. Farhat? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. En réalité, ce n'est pas la bombe que j'ai vue. J'ai ressenti autre chose et sa présence est de plus en plus forte. Matelot navigue sur le pétrole. Désormais plus personne ne viendra se mettre en travers de ma route. Plus personne pourra aussi me contredire ou s'opposer à moi. Je vais bientôt parsemer le désert interdit de jolis petits puits de pétrole, tout flambant neuf. Le génie de mes ancêtres ukrainiens et arabes coule dans mes veines. Il bouillonne, il frémit, tout comme mon pétrole qui coulera bientôt à travers tous les oléoducs du monde. Hein?
fascinant. Il semblerait que tous les textes anciens soient en accord avec cette légende incroyable. Et enfin, lorsque le moment sera venu et que 7 millénaires se seront écoulés, l'ombre du mal réapparaîtra et plongera le monde dans la terreur. Je n'ai jamais vu une telle tempête de sable. Hé, hey, écoutez! Vous avez entendu ce bruit? Oui, c'est étrange, c'est sûrement le vent. Farhat, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, le mieux serait de trouver un abri. Le vent poussera des hurlements et des buissons d'épines se mettront à proliférer comme des serpents infamés. Farhat, j'ai trouvé un abri. Regarde! Il y a même de l'eau. Papa! Est-ce que ça va? Et alors que les signes annonciateurs du cataclysme se multiplieront à travers le monde... tourbillons de sable s'élèveront comme des flots déchaînés piégeant les innocents. Lorsque la terre se mettra à trembler, des gouffres sans fond s'ouvriront de toutes parts. Alors, on a besoin d'un coup de main, on dirait. Tiens bon, je vais te sortir de là. Hop là ! Oh, on y était presque. Vite, sors-toi. Que je retrouve mes parents. Ne restez pas plantés là à admirer le paysage, espèce de fainéant! Remettez-vous au travail! Regardez votre cruauté! Vous avez vu le ciel? C'est la malédiction du désert interdit! Ah, vraiment? Vous n'êtes qu'une bande de poules mouillées! Vous avez peur d'une petite tempête de rien du tout? S'il le faut, je conduirai moi-même un de ces engins! Attendez, votre bassesse! Si vous faites ça, nous serons tous maudits! Non! On ne peut plus faire machine arrière! Mettez-vous ça dans le crâne! On est déjà maudits! Alors, en avant toutes! Je n'arrive toujours pas à y croire! C'est irréel! Oh non, bien au contraire, c'est tout à fait réel! Toi? Oui, cela faisait plus de 7000 ans que je sommeillais en ces terres, rêvant sans cesse à mon heure de gloire! Ego Khan! Oui, c'est moi, Ego Khan, le pire des cauchemars venant hanter tes nuits sans sommeil. Un cauchemar devenu réalité. Pauvre imbécile, tu n'es qu'un misérable ver de terre rampant à mes pieds. C'est donc toi, l'élu, le vaillant prince défendant la cause des opprimés. Ouais, ton histoire va prendre fin avant même d'avoir commencé. Écran d'invisibilité. Excusez-nous, mais il faut qu'on file, on est attendu ailleurs. Ah, mais où suis-je? Fiche-moi le camp! Mais comment ça, fiche le camp? Mais on est chez moi, ici. Un scorpion qui parle? Quand on est un humain qui n'a pas d'ombre, on ne se permet pas de critiquer les autres. Et en plus, tu n'es pas très costaud. Mmh. Ah.
Voyons un petit peu ce qu'on a en boutique. Alors, pour commencer, je pense qu'un petit fortifiant serait le bienvenu. C'est une décoction maison. Allez, vas-y, ouvre la bouche. Pour que tu m'empoisonnes? Oh, c'est juste un petit remontant, ça te fera du bien. Oh, peu m'importe, je ne veux pas le savoir. Tu as beau parler, tu restes quand même un scorpion. Et alors, il y a des humains nuisibles, alors que certains scorpions ne veulent que ton bien. Ne jamais se fier aux apparences. C'est une bombe sur Med. Oh, t'as drôle de comparaison, mon petit gars, tu sais ça? Il y en a d'autres? Ça suffit pour l'instant. Ah, justement, en parlant de bombe, qu'est-ce qui t'amène jusque dans ces contrées arides? La bombe. Toi, tu n'as que ce mot-là à la bouche. Mes parents ont été engloutis par les sables du désert. Ensuite, mon ombre a été emportée par le vent. Et enfin, il est réapparu. Et Gokan. Et qu'est-ce que tu comptes faire, au juste? Je veux me battre, cela va de soi. Il faut absolument que je venge mes parents. Il ne faut pas combattre le mal par le mal. Ceci dit, combien de combats tu as livrés récemment, hein? À en juger par la taille de tes biceps, moi je dirais aucun. Sache que mes ancêtres étaient de vaillants guerriers et... Oui, je suppose qu'ils savaient manier une épée, eux. Ils maîtrisaient parade et riposte. Ils excellaient dans les demi-feintes, les primes et les octaves. Tu veux bien m'apprendre? Et pourquoi perdre mon temps avec un jeune gringalet, dis-moi? Il ne faut pas se fier aux apparences. Oui, je vois. Pas mal, hein, tu apprends vite, on dirait. À propos, comment est-ce que tu t'appelles? Oh, Farhat. Et toi, c'est quoi ton nom? Ali, ravi de faire ta connaissance. Tu es un drôle de petit personnage. Pour un scorpion qui parle, je te trouve très bavard. Oh, ça doit être de famille. On a toujours eu le goût du dialogue à la maison. Mais où sommes-nous? Et qu'est-ce que ça signifie? Ça, tu le sauras en temps voulu, mon petit gars, patience. Allez, suis-moi. Allez, on se dépêche. L'aventure ne fait que commencer.